présente parmi nous, Yahweh. Nous te bénissons, nous te rendons gloire, Seigneur. Merci pour ta bonté envers ton peuple, Seigneur. Merci, Seigneur, de travailler les cœurs ce matin, de les toucher, de les transformer par ta parole, Seigneur, que tu as mis dans le cœur de ton serviteur, le pasteur Jonathan. Amen. Acclame le Seigneur pour son serviteur. Alléluia. 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 Amen, amen. Dieu est bon. Amen. Et il veut nous bénir ce matin. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut être béni ce matin? Amen. 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 Alléluia. Amen, 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 amen. Dieu a quelque chose pour chacun de nous ce matin. Il suffit d'être réceptif. Amen. La Bible dit en Christ, j'ai ce que la Bible dit que j'ai. En Christ, je peux ce que la Bible dit, je peux. Et en Christ, nous sommes ce que la Bible dit que nous sommes. Amen. Est-ce que tu crois ce que la Bible dit que tu es en Christ? Amen. Amen. Alléluia. Ce matin, Dieu a mis dans mon cœur de vous parler de l'obéissance. Bien-aimés, est-ce que vous aimez être béni par Dieu? Amen. Savez-vous que l'obéissance précède la bénédiction? Bien-aimés, si tu veux être béni, il faut obéir. Moi, je me rappelle quand j'étais petit, je sais pas, je pense que vous aussi c'était peut-être pareil. Lorsque ma mère, elle me disait bon, aujourd'hui il faut ranger ta chambre, faut faire ci, et après tu pourras aller jouer, tu pourras profiter de toutes les choses. Et elle est partait travailler, nous laissait à la maison, et puis nous on jouait. On jouait, on regardait la télé et on rangeait pas. Et là, on a vu l'heure. Quand on regardait l'heure, on voyait que c'était l'heure que maman arrivait là. Oh là là, c'est là qu'on se mettait en action, à ranger tout ça. Et elle arrivait, rien n'était fait. Et là, elle nous mettait, elle nous punissait. Mais lorsqu'on obéissait, bien aimé. Là, elle rentrait, elle voyait que tout ce qu'elle avait dit, tout ce qu'elle avait demandé à faire était fait. Là, elle nous préparait un bon repas. Après, elle disait, bah, allez, vous pouvez sortir, vous pouvez jouer. Et c'est ça, bien-aimé, qu'on doit comprendre. Lorsque on veut être béni, il faut savoir obéir. Amen. Amen. Ferme les yeux, prions le Seigneur. Ô Père éternel, Dieu tout-puissant, Seigneur notre Dieu, nous voulons ce matin, Seigneur, que ta parole, Seigneur, que tu nous envoies, Seigneur, ne revienne pas à toi sans effet, Seigneur, mais qu'elle puisse accomplir ce qu'elle doit accomplir, Seigneur. Les plans et les projets que tu as formés sur chacun de nous, Seigneur. Des plans de paix, dit ta parole, et non de malheur, afin de nous donner un avenir, une espérance. Oui, ce matin, Seigneur, nous voulons ouvrir nos cœurs. Nous voulons ouvrir nos yeux spirituels ce matin, afin que cette parole, Seigneur, tombe dans un cœur qui est une bonne terre, Seigneur. Ta parole, Seigneur, qui est une semence, puisse produire, Seigneur, dans nos vies. Oh, Seigneur, des fruits pour ta gloire, Seigneur. Oh, Père éternel, nous te bénissons, Seigneur, pour ta présence parmi nous ce matin, Seigneur. Oui, ta parole dit, là où deux ou trois sont assemblés en ton nom, tu es là, Seigneur. Oui, Seigneur, tu es présent. Saint-Esprit, tu es là. Tu es en train de sonder les cœurs ce matin, Saint-Esprit. Oh, merci, Saint-Esprit, de te manifester pleinement dans nos vies ce matin. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous avons prié et nous disons amen, amen. 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 Donc l'obéissance, bien-aimé, précède la bénédiction. La Bible dit, c'est dans le livre de Deutéronome, chapitre 28, verset 1, il dit, si tu obéis à ma voix, c'est-à-dire à ma parole, si tu obéis, tu seras béni. Il dit même, verset 2, je crois, voici les bénédictions qui se répandront, qui se déverseront, qui vont se jeter sur toi, si tu obéis à ma parole. Dans le livre de Ésaïe, chapitre 1, verset 19, il dit, comment il dit ça encore? Il dit, si tu veux obéir,
si tu veux obéir, ou si tu es bien disposé à écouter ma parole, tu mangeras les meilleurs produits de ce pays. Amen. Amen. Et et vous savez, la Bible dit dans 1 Samuel, chapitre 15, verset 22, que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et beaucoup de nous, parfois dans nos vies, et même moi des fois, ça m'arrive, hein, parce que ça arrive à tout le monde. Des fois, Dieu nous dit de faire quelque chose, mais on essaie de négocier avec Dieu, on essaie de faire comme on veut et non pas comme Dieu veut. Amen. Amen. Et ce matin, nous allons voir que lorsqu'on obéit à Dieu, la bénédiction vient tout de suite derrière. Amen. Amen. Et en effet, l'obéissance, c'est l'une des plus grandes exigences de Dieu. Tu peux faire tout ce que tu veux, c'est-à-dire tu peux porter ta croix, tu peux servir dans l'église, tu peux aider les gens dehors, tu peux faire des offrandes, tu peux faire n'importe quoi. Dieu exige l'obéissance. Amen. Alléluia. Donc tout ça n'a aucune valeur pour Dieu si tu n'obéis pas. Amen. Amen. Ouvrons la Bible ce matin dans le livre de 1 Samuel, chapitre 13. À partir du verset 8. Bien-aimé, si tu comprends ça, tu vas voir comment les bénédictions vont se jeter sur toi. 1 Samuel, chapitre 13, à partir du verset 8. Je lis la parole de Dieu. La parole, elle dit, « Il attendit 7 jours. » On parle de Saül, le roi Saül, selon le terme fixé par Samuel. Mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal, et le peuple se dispersait loin de Saül. Alors Saül dit, « Amenez-moi l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce. » Et il offrit l'holocauste. Comme il achevait d'offrir l'holocauste, voici Samuel arriva, et Saül sortit au devant de lui pour le saluer. Samuel lui dit, « Qu'as-tu fait ?» Saül répondit, « Lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi, que tu n'arrivais pas au terme fixé et que les Philistins étaient assemblés à Michmash, je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'Holocauste. » Samuel dit à Saül, « Tu as agi en insensé. Tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Et maintenant, ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur, et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple, parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. » Amen. Amen. Dans ce passage de la Bible, donc, le roi Saül avait reçu des instructions de la part du prophète Samuel. Et là, nous voyons comment le roi a désobéi aux instructions que le prophète lui avait données. Et le péché de Samuel a été donc de suivre son concept par rapport à la volonté de Dieu. Suivre ce qu'il devait faire lorsqu'il a vu les circonstances, il s'est dit, non, je vais faire comme ça et comme ça. Donc tout ce que tu peux faire n'a pas de valeur aux yeux de Dieu. Il faut le savoir. Est-ce qu'il avait fait quelque chose de mal? Non, il a offert des offrandes, des sacrifices à Dieu. Mais le prophète lui a dit non, c'est pas comme ça qu'il fallait le faire. Et souvent, comme je disais tout à l'heure, il y a des choses que Dieu nous demande de faire, mais on veut faire à notre façon et pas la façon de Dieu. Et ça, on ne peut pas être béni, bien-aimé, parce que Dieu est exigeant. Dieu, quand il dit quelque chose, il faut le faire comme il a dit et pas autrement. Amen. Amen. Donc, ce qu'il a fait n'était pas accompagné par l'obéissance à Dieu, par ce qu'avait dit le Seigneur. Une vie d'obéissance, bien-aimé, nous garantit les bénédictions. Alléluia. Amen. Donc, on va voir ça dans le livre de Deutéronome au chapitre 28.
à partir du verset 1. Je lis la parole de Dieu. La Bible dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par sept chemins. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Amen, amen. Amen. Bien-aimé, ça c'est une grande vérité. Nous, enfants de Dieu, nous avons des instructions. Dieu nous demande qu'une chose, de suivre ses commandements. Et un commandement, c'est un ordre. Ça veut dire que c'est impératif, quoi. On peut pas négocier. Amen. Et voici les bénédictions, donc, si on suit ce commandement de Dieu, si on observe et on met en pratique tous les commandements du Seigneur. Le livre de Jean, chapitre 14, verset 23, dit ainsi. Jean 14, 23. Je lis la parole de Dieu. Jésus lui répondit, lui dit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. » Amen. Donc Jésus dit, « Si tu gardes ma parole, si tu m'aimes d'abord, si tu aimes le Seigneur, tu garderas sa parole. » Et il dit que mon Père et moi, nous viendrons à toi et nous ferons notre demeure chez toi. Amen. Amen. Garder la parole de Dieu, c'est veiller pour but de nous protéger. Garder la parole de Dieu, vous savez, la parole de Dieu, c'est celle qui a créé toute chose. Rappelez-vous de ce verset qui dit « Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. » Et toute chose a été créée par sa parole. Tout ce qu'on voit a été créé par la parole de Dieu. Rien de ce que nous voyons n'a été créé sans la parole de Dieu. Amen. Donc cette parole que nous avons tous les jours, où il y a une puissance créatrice, où il y a une puissance de protection de tout ce qu'on veut, cette parole qui est la Bible, c'est notre, et je l'ai déjà dit, c'est notre manuel de vie, on va dire. C'est notre trésor. Amen. Donc cette parole-là, si tu l'étudies bien, comme le dit le livre de Josué, et tu la mets en pratique, il y a une grande puissance dans tes mains. Amen. Amen. Donc garde cette parole, et même un verset dit, garde cette parole plus... comment il dit ça, ce verset ? Ça va me revenir. Mais cette parole, elle a une grande valeur. Elle doit avoir une grande valeur pour nous, enfants de Dieu. L'obéissance, bien-aimé, c'est un signe de foi. Dans le livre de Hébreux, chapitre 11, au verset 6, Hébreux 11, 6, il est écrit, « Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Amen. Amen. Donc la foi est une condition indispensable pour une vie d'obéissance. Alléluia. Ce que nous faisons, ce que tu fais, révèle ce que tu crois. L'obéissance, c'est une conduite. Toutes nos actions parlent, elles parlent de comment on croit. L'obéissance demande une action.
Et là, on voit très bien dans la parole de Dieu, dans le livre de Luc au chapitre 18, à partir du verset 18, je lis la parole de Dieu. Un chef interrogea Jésus et lui dit, « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui répondit, « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements ? Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages. Tu honoreras ton père et ta mère. » Il dit à Jésus, « J'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Et Jésus, ayant entendu cela, lui dit, « Il te manque encore une seule chose. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis, viens et suis-moi. » Lorsqu'il entendit ces paroles, il devint tout triste, car il était très riche. Jésus, voyant qu'il était devenu tout triste, dit, « Qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Car il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Ceux qui écoutaient cela dirent, « Et qui peut être sauvé alors ?» Jésus répondit, « Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. » Amen. Amen. Donc, ce que tu fais révèle ce que tu crois. Amen. Amen. La véritable obéissance demande l'action de la foi. Dans le livre de Jacques, la Bible dit que la foi sans action est morte. Amen. Donc tu peux croire plein de choses, mais si tu ne fais rien, ta foi, elle ne vaut rien. Amen. Donc, bien aimé, il faut mettre sa foi en action. Il nous faut deux réglages qui sont nécessaires pour une vie d'obéissance à Dieu. Comme on vient de le voir dans le livre de Luc au chapitre 18, il y avait cet homme qui est venu à Jésus. Il voulait la vie éternelle, mais il n'était pas prêt à obéir. Sa richesse était plus importante à ses yeux. Et malheureusement, lorsque Jésus a vu qu'il ne pouvait pas se détacher de ses richesses, il a perdu sa bénédiction. Parce que Jésus lui a dit, « Vends tout ce que tu as et tu auras un trésor dans le ciel. » Il aurait eu l'opportunité de goûter à la vie éternelle, mais il a laissé passer sa chance. Amen. Nous allons voir un autre exemple d'un homme que lui qui n'a pas laissé passer sa chance. C'est dans le premier livre de Rois, au chapitre 19. Un roi 19... à partir du verset 15. Je lis la parole de Dieu. L'Éternel lui dit, il parle à Élie, au prophète, « Va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas, et quand tu seras arrivé, tu oindras Azaël pour roi de Syrie. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël, et tu oindras Élisée, fils de Shapha, d'Abel Méola, pour prophète à ta place. Et il arriva que celui qui échappera à l'épée de Hazaël, Jéhu, le fera mourir, et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée, le fera mourir. Mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi le genou devant Baal et dans la bouche ne l'a point baisé. » Élie partit de là et il trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait dans le champ. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs et il était avec la 12e. Élie s'approcha de lui et lui jeta son manteau. Élisée, quittant ses bœufs, courit après Élie et dit, « Laisse-moi embrasser mon père et ma mère, et je te suivrai. » Élie lui répondit, « Va et reviens, car pense à ce que je t'ai fait. » Après s'être éloigné d'Élie, il revint prendre une paire de bœufs, qu'il offrit en sacrifice avec l'attelage des bœufs, et il fit cuire leur chair
et la donna à manger au peuple. Puis il se leva et suivit Élie et fut à son service. Amen. Amen. Donc dans cet exemple-là, on voit cet homme, Élisée, qui a répondu de façon différente au jeune homme riche qu'on a vu dans précédemment dans le texte que nous avons lu. On voit que Élisée, lui, il n'a pas réfléchi. Il connaissait le prophète Élie, il avait déjà entendu parler de lui, et il a tout laissé. Sa famille, son travail, brûlé ses outils de travail, il a tué les bœufs et partagé avec la communauté la viande. Il ne voulait pas retourner en arrière. Donc il a vraiment effacé tout ce qu'il devait faire. Il tourne la page de cette vie-là. Donc il a fait les réglages nécessaires, et là, une fois qu'il a réglé tout ce qu'il a fait à faire, il a dit, voilà, je suis prêt. Je suis prêt à venir avec toi, je suis prêt à te suivre. Il est prêt à obéir à Dieu et prêt à être utilisé par Dieu. Et on connaît donc le résultat de son obéissance. Dieu l'a beaucoup utilisé, il a fait beaucoup de miracles à travers la vie d'Élisée. Bien-aimés, nous devons nous aussi nous régler sur la volonté de Dieu. Hein, la Bible dit dans le livre de Luc au chapitre 14, Luc 14 au verset 33, la Bible dit « Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. » Bien-aimés, il y a des choses qu'on doit savoir lâcher. Il ne faut pas rester attaché aux choses du monde, bien-aimés. On doit laisser les choses. Si on n'est pas prêt à abandonner les choses pour Dieu, tout ce qui nous tient à cœur, tout ce qu'on a de plus cher, on n'est pas prêt à être le disciple de Jésus. On n'est pas prêt à obéir à Dieu. Et donc, on n'est pas prêt à recevoir la bénédiction de Dieu. Beaucoup veulent la bénédiction, mais ils ne veulent pas suivre Dieu. Ils ne veulent pas, se détacher. Ils ne veulent pas lâcher ce qu'ils ont. Et malheureusement, ce n'est pas possible de recevoir la bénédiction si tu n'es pas prêt à te détacher des choses du monde. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe, chapitre 55. Ésaïe, chapitre 55, verset 9. Je lis la parole de Dieu. La Bible dit « Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. » C'est Dieu qui parle. Dieu est intéressé par une rédemption inconditionnelle. Tu ne peux pas faire ce que tu veux et en même temps faire ce que Dieu veut. Ouais. C'est pas possible. Soit tu fais ce que tu veux, donc là tu ne peux pas suivre ce que te demande Dieu de faire. Ou soit tu fais la volonté de Dieu et tu abandonnes tout ce que tu dois faire. Amen. Amen. Tout ce que tu veux faire surtout. L'obéissance a un prix. Et ça doit te coûter. Si ça ne te coûte pas de suivre Jésus, c'est que tu n'as pas des choses... En fait, c'est encore... Tu as des choses, tu es toujours attaché à des choses du monde. Mais si ça te coûte, là... Tu vas voir comment Dieu va te transformer. L'obéissance demande une dépendance totale de Dieu. Et on voit dans la vie des chrétiens, des enfants de Dieu, beaucoup de gens qui veulent encore contrôler leur vie. Ils disent, oui Dieu, je te donne ci, je te donne ça, mais par contre là, c'est moi qui gère. Non, il faut savoir dépendre de Dieu en totalité. Alléluia. Dans tous les domaines de ta vie. Alléluia. Tu as demandé à Jésus d'être ton sauveur et ton Seigneur. Donc, il faut qu'il soit le Seigneur de tous les domaines de ta vie. Amen. Amen. Dieu veut régner en maître sur ta vie. Et il doit être le seul maître de ta vie. Alléluia. C'est lui qui doit avoir le contrôle et non toi. Amen. Amen. Il y a un homme dans la Bible que nous, bien-aimés, nous devons prendre exemple. C'est Abraham, le père de la foi, comme dit la Bible. Dans le livre d'Hébreux, chapitre 11, à partir du verset 8, écoutez ce que dit la parole
sur Abraham. La Bible dit que c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Et qu'il partit sans savoir où il allait. Dieu parle à Abraham dans le livre de Genèse, chapitre 12, au verset 5. Il dit, Abraham, la Bible dit qu'Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit, même à partir du verset 1. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. Amen. La Bible dit, Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit. Et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Moi, je ne sais pas si aujourd'hui, Dieu me dirait, bon voilà, ta maison et tout ça, maintenant il faut laisser tout ça, maintenant il faut partir là où je te dirai. Et nous aujourd'hui, avec notre raisonnement, on aime savoir les choses à l'avance. Et comment ça va se passer, surtout le comment. Oui, Dieu, tu me dis de partir, mais bon, je vais où? Et comment je vais, on commence déjà à dire, mais comment je vais manger, comment je vais ça, comment ceci, comment cela, comment. Est-ce qu'à un moment dans la Bible, on voit Abraham dire à Dieu, je dois partir où? Et d'accord, tu me dis de partir et tout avec mon neveu Lot, mais comment on s'organise, comment? Non, la Bible dit que Abraham partit, comme l'Éternel lui avait dit. Il est dépendant de Dieu. Amen. Amen. C'est Dieu qui va lui montrer l'endroit, le lieu où il doit aller. Donc il part. Et nous, enfants de Dieu, la Bible dit, les enfants de Dieu sont guidés par le Saint-Esprit. Amen. Amen. Donc des fois, il y a des choses qu'on doit faire, on ne sait pas comment. Donc il faut emboîter le pas de foi. Cette confiance qu'on doit donner à Dieu et laisser le Seigneur être sensible à la voix de Dieu pour suivre le chemin qu'il a déjà préparé d'avance pour chacun de nous. Amen. Amen. C'est comme le GPS. Des fois, tu dois aller dans un endroit que tu ne connais pas, tu mets le GPS et tu suis les instructions. C'est vrai qu'on pourrait voir, on peut voir même la destination finale sur le GPS. Mais avec Dieu, on ne voit pas la destination finale. Ça veut dire que à chaque croisement, chaque tournant, quand il nous dit d'aller à droite, on doit aller à droite. On le sait que sur le moment venu. Amen. Amen. On ne le sait pas 15 minutes à l'avance. Lorsque tu roules, ton GPS, il dit là, tournez à droite. Il dit dans 200 mètres, tournez à gauche. Donc tu le sais presque à l'instant même, à l'instant T. Mais là, Dieu, il veut guider ta vie. Et lorsqu'il te dit, laisse-moi te prendre en charge, je te conduirai, je te guiderai, là il faut lui faire confiance. Et pas lui dire comment on va faire, comment ceci. Car toi qui connais la parole, tu sais que le Seigneur est ton berger, tu manqueras de rien, n'est-ce pas? Amen. Donc il faut lui faire confiance. Dieu honore la foi. Et si tu lui fais confiance, il va prendre soin de toi. Amen. Amen. Donc Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit. Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'ils possédaient et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Et ils partirent pour aller, là on nous dit, dans le pays de Canaan. Et ils arrivèrent au pays de Canaan. Abraham parcourut tout le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'au chêne de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays, et l'Éternel apparut à Abraham et dit, je te donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu, et il se transporta de là vers la montagne à l'orient de Bethel. Il y dressa ses tentes, ayant Bethel à l'occident et Haï
à l'Orient, il bâtit encore là un autel à l'Éternel et il invoqua le nom de l'Éternel. Abraham continua ses marches en s'avançant vers le Midi. Amen. Amen. Mais revenons au chapitre 11 du livre d'Hébreux qui nous dit donc, j'ai lu le verset 8 qui disait que c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, comme nous l'avons lu dans le livre de Genèse, chapitre 12, et qu'ainsi Isaac et Jacob, les cohéritiers de la même promesse, car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Verset 11, c'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité. Amen. Et qu'elle enfanta, parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est pourquoi d'un seul homme, déjà usé de corps, naquit une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est au bord de la mer, et qu'on ne peut compter. Amen. Amen. Voilà ce que la Bible dit de notre père Abraham, le père de la foi, en tout cas. Amen. Donc, bien-aimés, nous devons poursuivre cette foi qu'avait Abraham. Nous devons suivre son exemple. Et là, on voit que la Bible nous dit comment Dieu a béni Abraham, comment Abraham avait cette confiance en Dieu. Comment il marchait avec Dieu. Amen. Amen. Mais dans le livre de Genèse au chapitre 22, Genèse chapitre 22, nous allons lire une histoire d'Abraham. Parce que c'est vrai que la Bible dit que Abraham était, même Sarah était avancée en âge. Et Dieu a accompli la promesse en lui donnant un fils du nom d'Isaac. Mais dans le livre de Genèse, au chapitre 22, à partir du verset 1, lisons cette histoire. La Bible dit, après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Dieu mit Abraham à l'épreuve. Bien-aimé, tu dois savoir que tu vas aussi traverser des épreuves. Dieu va te mettre à l'épreuve. Et pourquoi Dieu fait ça, à votre avis? Dieu veut voir si tu as toujours cette crainte envers lui. Dieu veut voir si ta foi, elle est encore solide. Dieu veut voir si... Il veut te tester pour voir si tu lui fais confiance dans toutes les choses. Et il dit à Abraham, il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils unique, celui que tu aimes, Isaac, celui que je t'ai donné. Celui que tu as, il le dit pas, mais celui que je t'ai donné, celui que tu as attendu, celui qui est, qui va faire de toi une postérité innombrable, un peuple nombreux. C'est-à-dire l'être qui était le plus cher aux yeux d'Abraham. Moi aujourd'hui, j'ai une fille unique. C'est notre chair, notre sang avec mon épouse. Et c'est vrai que je suis très attaché à elle. Mais si on me demandait de donner comme ça mon fils, s'il n'y avait pas un Dieu, je ne pouvais pas le faire. Si je ne connaissais pas Dieu, je peux pas le faire. Va demander à quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Il ne peut pas faire ça. Il ne peut pas donner son enfant. Abraham a marché avec Dieu. Abraham connaissait Dieu. Et c'est là, bien-aimé, je veux que tu ouvres tes yeux ce matin, que tu comprennes ta relation avec Dieu. Le fait de connaître qui est Dieu. Abraham, Dieu lui dit, vas-y, prends ton fils unique. Alors qu'Abraham, on sait qu'il avait un autre fils. Vous comprenez ou pas? Abraham avait eu un fils avec la servante Agar. Ismaël. Dieu lui dit, prends ton fils unique. Et donc, Abraham partit. Verset 2.
au pays de Morija, et là, le Seigneur lui dit, là, tu offriras ton fils en holocauste, sur la montagne que je te dirai. Abraham se lève de bon matin, il selle son âne et prend avec lui deux serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le troisième jour, Abraham, levant les yeux, vit au loin le lieu. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici, avec l'âne. Et moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à son père Abraham, dit, « Mon père !» Et Abraham répondit, « Me voici, mon fils. » Isaac reprit, « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste ?» Abraham répondit, « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. » Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y leva un autel et rangea le bois. Et il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel, par-dessus le bois. Puis Abraham étendit sa main et prit le couteau pour l'égorger. Son fils, il devait avoir peut-être 14 ans. C'est un jeune. Donc il comprenait les choses puisqu'il a demandé à son père où est l'agneau pour l'holocauste. Et Abraham dit à son fils, t'inquiète pas, Dieu, il va pourvoir. Dieu va pourvoir à l'agneau. Mais là, le père l'attache et le met sur l'autel. Il avait vraiment ce courage. Mais je crois que sa foi même était même au-delà même de ce courage-là. Parce que d'attacher comme ça ton enfant, le mettre sur l'autel, c'est que tu avais cette conviction en toi-même que Dieu était capable de tout. Mais il le faisait. Peut-être que dans son cœur, Abraham était un humain. Il devait être triste. Parce que même si Dieu te dit, voilà, l'enfant que tu as là, tu dois le donner, il va mourir aujourd'hui, tu es triste parce que tu sais qu'il va se passer quelque chose de douloureux. Dieu a la puissance de ressusciter ton enfant. Mais cette circonstance-là, tu n'as pas envie de la passer. Amen. Et donc, Abraham l'attache. Et donc, la Bible dit, il lit son fils. Il le met sur l'autel, par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main, prit le couteau pour égorger son fils. Et là, un ange de l'Éternel intervient, appelle Abraham des cieux et dit, Abraham, Abraham. Il dit, me voici. L'ange lui dit, n'avance pas la main sur l'enfant et ne lui fais rien. Car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Et Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jiré. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Amen. Amen. Il faut que tu comprennes, bien-aimé. Si tu sais qui est ton Dieu, celui qui a créé toutes choses par sa parole, tu peux tout perdre aujourd'hui. Parce que tout ce qu'il y a autour de toi aujourd'hui, ça n'a pas de valeur aux yeux de Dieu que l'obéissance à Dieu. Et là, on voit à travers cette obéissance, hein, la Bible dit, Abraham, ne fais rien à l'enfant parce que maintenant je sais. Mais je crois vraiment qu'Abraham allait tuer son fils. Moi, j'ai cette conviction qu'il allait le faire. Parce que cette paix et cette crainte de Dieu, parce qu'il savait que Dieu était capable de tout faire, bien aimé. Et beaucoup de nous ne savons pas que Dieu est capable de tout faire. Il y en a encore qui doutent que Dieu n'est pas capable de faire certaines choses. Et c'est là l'erreur. Et la Bible dit, tout ce qui ne résulte pas de foi est péché. Amen. Lorsque tu penses que Dieu n'est pas capable de faire quelque chose dans ta vie, tu es en train de commettre un péché, bien-aimé. Amen.
Et ça, tu dois combattre. Tu dois renouveler tes pensées avec la parole de Dieu pour avoir cette foi, cette conviction que Dieu est capable de tout. Car, comme Jésus l'a dit tout à l'heure, rien n'est impossible à Dieu. Il y a des choses qui sont impossibles à l'homme, mais pour Dieu, rien n'est impossible. Amen. Donc, tu dois activer la bénédiction de Dieu dans ta vie, bien-aimé. Tu dois activer la bénédiction de Dieu. Lorsque Dieu te demande de faire quelque chose, il faut le faire sans rechigner. Ouais. Ne cherche pas. Rappelle-toi. C'est lorsque Dieu te demande quelque chose, rappelle-toi du Père Abraham. Rappelle-toi de cette parole-là, bien-aimé. Ça va te donner, ça va te booster. Ça va te donner cette force-là. Tu dois voir au-delà de ce que tu vois, toi, dans le monde naturel. Alléluia. Si Dieu te demande de te séparer de quelque chose que tu es très attaché, il doit y avoir quelque chose de meilleur, meilleur. Enfin, des fois, aujourd'hui, tu as quelque chose, tu dis, « Ah, je suis dans la plénitude, je suis bien parce que j'ai ce que je veux et tout va bien pour moi aujourd'hui. » Il y a toujours mieux, bien-aimé. Il y a toujours mieux. Tu ne peux pas connaître le meilleur des meilleurs. Parce qu'il y a toujours mieux. Amen. Amen. Tu dois te détacher de ce qui te tient à cœur, comme je disais. Il y a des choses qu'il ne faut, il faut pas être attaché aux choses. Il faut que ces choses-là, tout ce qui est matériel, ton travail, il y en a qui adorent leur travail, qui adorent leur voiture. Ils aiment, il faut que tout soit briqué, ils sont maniaques. Vous voyez ? Non, c'est pas la peine. Il faut que ça soit, ordonné, mais il faut pas être maniaque. Il ne faut pas vénérer les choses. Amen. Amen. Nos enfants, nous ne devons pas les vénérer. J'ai posté une image sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, les enfants, si on ne les contrôle pas, on est leur esclave. Ouais. Ce n'est pas possible. C'est vrai. Nous sommes parents, enfants. C'est vrai, avec les lois, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Mais il faut apprendre à nos enfants de nous respecter. C'est pour leur bien. La Bible dit qu'on doit honorer les parents. Nos enfants, on doit les apprendre à nous honorer. Parce que sinon, tu vas avoir des problèmes. Et tu es en désobéissance avec la parole de Dieu. C'est toi qui es en désobéissance. C'est pas l'enfant. Parce que c'est toi qui dois lui donner l'éducation qu'il faut. Amen. Nos amis, c'est pareil. On ne doit pas être attaché à des gens qui sont autour de nous, etc. Ce qui a le plus d'importance pour nous, pour toi, c'est Dieu. Et il n'y a rien d'autre qui doit être plus important que Dieu dans notre vie. Amen. Amen. Et on doit aussi passer à l'étape supérieure, à une nouvelle dimension de foi, exige un autre niveau d'obéissance. Et c'est vrai, des fois, Dieu nous demande des choses simples. Mais plus on va avoir cette relation intime avec Dieu, Dieu va te demander des choses plus difficile, plus compliqué. Donc tu dois espérer et grandir. On ne peut pas rester à un niveau. Vous savez, lorsque Dieu il te met dans une épreuve, et je disais ça mercredi si je ne me trompe pas, lorsque Dieu nous met dans une épreuve, c'est pour grandir, pour passer à une étape supérieure. Et on voit beaucoup de gens qui restent dans une épreuve parce qu'ils ne veulent pas lâcher avec Dieu. Dieu leur dit, il faut lâcher. Mm. Là, il dit, non, je ne peux pas. Mais tu vas rester là. Mm. Tu vas continuer à souffrir, à supporter, tant que tu ne vas pas lâcher cette chose-là. Et malheureusement, il y a des gens qui sont là, ils ne veulent pas écouter Dieu, ils ne veulent pas lâcher. Donc, ils sont coincés, quelque part. Il faut savoir lâcher. Il faut savoir se soumettre à Dieu. Il faut savoir dépendre de Dieu. Non, je veux contrôler, ça c'est moi qui gère. Non, je ne veux pas que Dieu mette ses mains là. Ben, tu vas rester là, jusqu'à temps que tu lâches. Et lorsque tu vas abdiquer, là, Dieu il va pouvoir te prendre en main et puis tu vas pouvoir avancer. Amen. Lâche, bien-aimé. Tu veux être béni, il faut lâcher du lest. Amen. Amen. Donne à Dieu les prémices afin d'activer l'alliance de la bénédiction. Il y a beaucoup de gens encore qui veulent rien lâcher, comme je disais, et ils gardent des prémices. C'est important. Si tu lis dans la Bible, dans le livre en parlant des finances, dans le livre de Malachie, chapitre 3, qu'on connaît bien, il dit apportez
Il dit, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Amen. Si je ne réponds pas sur vous la bénédiction en abondance. Alors, est-ce que vous savez ce que ça veut dire abondance? Abondance, ça veut dire qu'il ne manquera jamais. Amen. Donc, nos prémices, tout ce que nous avons, nous devons les donner à Dieu afin d'activer l'alliance de la bénédiction. Dieu va multiplier dans notre vie à l'infini. Amen. Dans le livre de Genèse, au chapitre 17, verset 2, il dit ainsi, Genèse 17, verset 2, « J'établirai mon alliance entre toi et moi, et je te multiplierai à l'infini. » Là, c'est Dieu qui parle à Abraham lorsqu'il est âgé de 99 ans. Amen. Amen. Dieu veut multiplier dans ta vie, mais il veut être le premier. Et c'est pour ça que la Bible nous dit dans le livre de Matthieu, si je ne me trompe pas, il dit cherche en premier le royaume de Dieu. Il faut chercher la volonté de Dieu. C'est pour ça qu'on doit passer du temps dans notre relation avec Dieu, dans la prière, dans la méditation de sa parole. Parce que Dieu nous parle premièrement à travers sa parole. Donc tu dois passer du temps dans la parole, prier le Seigneur qui t'ouvre les yeux pour que tu puisses réaliser, pour que tu puisses comprendre, pour que tu puisses saisir quelle est cette instruction que Dieu va te donner pour que tu puisses être béni. Pour que tu puisses la suivre, en tout cas, pour être béni. Amen. Donc, l'obéissance, bien-aimé, a un modèle par lequel Dieu agit. Si tu regardes dans la Bible, dans le livre d'Exode, on peut le lire au chapitre 7, c'est juste après Genèse, pardon. Exode, chapitre 7, verset 1. La Bible dit que l'Éternel dit à Moïse, « Vois, je te fais Dieu pour Pharaon, et Aaron, ton frère, sera ton prophète. Toi, tu diras tout ce que je t'ordonnerai, et Aaron, ton frère, parlera à Pharaon, pour qu'il laisse aller les enfants d'Israël hors de son pays. Et moi, j'endurcirai le cœur de Pharaon, et je multiplierai mes signes et mes miracles dans le pays d'Égypte. Pharaon ne vous écoutera point. » Je mettrai ma main sur l'Égypte et je ferai sortir du pays d'Égypte mes armées, mon peuple, les enfants d'Israël, par de grands jugements. Les Égyptiens connaîtront que je suis l'Éternel lorsque j'étendrai ma main sur l'Égypte et que je ferai sortir du milieu d'eux les enfants d'Israël. Moïse et Aaron firent ce que l'Éternel leur avait ordonné et ils firent ainsi. Moïse était âgé de 80 ans et Aaron de 83 ans lorsqu'ils parlèrent à Pharaon. Donc là, on voit un modèle d'obéissance. Encore, on a parlé d'Abraham. Regardez la vie de Moïse. Il obéit à Dieu et Dieu a réalisé des miracles et des prodiges à travers la vie de Moïse pour amener le peuple donc, à la terre promise. Amen. Amen. Au chapitre 8 suivant, la Bible dit, l'Éternel dit à Moïse, « Lève-toi de bon matin et présente-toi devant Pharaon, et il sortira pour aller près de l'eau. Tu lui diras ainsi par l'Éternel, laisse aller mon peuple. » Vous connaissez l'histoire. Bien-aimé, si tu veux être heureux, il n'y a pas plusieurs solutions. Il n'y en a qu'une seule, l'obéissance à Dieu. L'obéissance à Dieu vaut mieux que tous les sacrifices. Tout ce que tu peux faire n'a aucune valeur si tu n'obéis pas à ce que Dieu te dit de faire. Amen. Amen. Et vous connaissez la vie de tous les prophètes qui ont même désobéi, puis ils sont revenus en arrière pour obéir à la parole de Dieu. Le prophète Jonas, vous connaissez l'histoire. Nous devons apprendre à obéir. Nous voulons être bénis. La Bible dit que nous sommes bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. En Christ, nous avons tout, mais nous ne possédons pas tout. Pourquoi ? Par notre manque d'obéissance à la parole et la pratique de la parole. Si tu fais tout ce que te dit la parole de Dieu, voici les bénédictions qui se répandront sur toi.
Tu auras la santé, tu auras la prospérité. Parce que le Dieu, il a dit, je souhaite que tu sois prospère à tous égards et que tu sois en bonne santé. Comme ton âme et la santé de ton corps aussi, bien aimé. Dieu veut le meilleur pour chacun de nous sur terre. Vous savez, on ne va pas passer une éternité sur terre. On va passer à peine une centaine d'années, bien aimé. Mais la vie éternelle est pour l'éternité. Est-ce que tu sais ça? Et si tu obéis, l'enfer aussi est pour l'éternité. Parce que la Bible nous dit que nous allons pas tous mourir. Amen. Hein? Le Seigneur Jésus reviendra et nous partirons avec lui. Mais bien aimé, pour ceux qui ne suivront pas la parole de Dieu, ceux qui donneront pas leur vie à Jésus, ils vont pas mourir non plus. En tout cas, ils vont aller dans un autre endroit pour l'éternité. Nous devons profiter non pas du meilleur à venir, mais du meilleur ici, présent, de toutes les choses que Dieu a déjà prévues pour chacun de nous. Et c'est par l'obéissance à notre Seigneur que nous allons bénéficier des bénédictions que Dieu a prévues pour nous. Amen. Dieu veut le meilleur pour toi. Es-tu prêt à obéir pour obtenir les bénédictions de Dieu? C'est la question que je te pose ce matin. Voilà. Il y a un amen, il y a une personne. Ah, il y en a plus là. Dieu veut te bénir ce matin, bien-aimé. Et vraiment, c'est le secret. Le secret. Il y en a beaucoup qui pensent que non, on sera béni plus tard lorsque le Seigneur Jésus reviendra. Non, bien-aimé, Dieu veut te bénir maintenant. Dieu veut se manifester dans ta vie maintenant. Amen. Dieu veut faire des miracles dans ta vie maintenant. Amen. Dieu veut que tout le monde voit sa gloire dans ta vie maintenant. Amen. Pas au ciel, tout le monde sera glorifié. Hein. Tu n'auras rien à prouver là-bas. C'est ici, bien-aimé. Ah, ben oui, on sera tous pareils. Hein. On sera tous dans la gloire. Tu vas dire, ah, tu vas pas dire, moi je suis plus fort ou rien du tout. C'est ici, il faut mettre en marche. Hein. Il faut accomplir ta destinée. Il faut accomplir le plan que Dieu a pour toi ici, maintenant. Amen. Donc, ouvre la parole. Demande à Dieu de te montrer quelle est sa volonté pour ta vie. Et suis cette volonté-là. Et tu vas voir comment les choses vont arriver sans même que tu demandes. Tu dis, ah, mais j'avais demandé ça, c'est arrivé. Tu vas penser à demander que la chose, elle sera déjà là. Tu n'auras même pas le temps de demander puisque ça va arriver de partout. Amen. Amen. Soyez bénis, prions le Seigneur. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous voulons te louer, te rendre grâce pour ta bonté et ta fidélité, Seigneur. Ton amour, ta puissance, ta présence parmi nous ce matin, Seigneur. Oui, Seigneur, merci pour ta parole qui est vivante, qui est puissante, Seigneur. Cette parole, Seigneur, qui nous édifie, qui nous encourage, qui nous corrige, qui nous transforme, Seigneur. Oui, ce matin encore, nous voulons, Seigneur, capter, Seigneur, ce message que tu as pour chacun de nous ce matin, Seigneur. Oui, Seigneur, que l'on puisse, Seigneur, être sensible à tes commandements. Que l'on puisse obéir, Seigneur, sans rechigner, Seigneur, à ce que tu nous demandes, Seigneur. Oui, Seigneur, nous voulons voir ta gloire dans nos vies, Seigneur. Et c'est par l'obéissance à ta parole, c'est par l'obéissance à toi, Seigneur, que nous allons voir ta gloire se manifester dans nos vies. Nous te bénissons et nous te louons, Seigneur. À toi soit la gloire dans nos vies, dans le nom de Jésus. Nous avons prié. Amen, amen, amen. Soyez bénis.